Alors hier, je suis allée chez ma tante et j'ai récupéré des plantes grasses. La plante grasse, quand vous la bouturez, soit vous la laissez sécher et cicatriser pendant plusieurs jours pour qu'une croûte se forme. Soit si vous êtes trop impatient, vous pouvez utiliser de la cannelle. Donc vous coupez votre plante bien proprement avec une cisaille désinfectée et propre. Vous trempez la tige dans la cannelle et vous replantez directement. Parce que la cannelle est un antifongique et un antibactérien. Donc ça ne va pas stimuler la croissance, mais ça va faire en sorte que ça ne pourrisse pas. Donc pour les presser, il y a la cannelle. Pour les autres, les sécher plusieurs jours vos boutures pour qu'elles cicatrisent avant de les replanter. Constatez qu'il y a déjà des racines aériennes ici. Donc, c'est un gage de réussite. Là.
coup, il reste deux petits bouts. Je vais les mettre dans le petit pot. Allez, je vais vous mettre ensemble. Et surtout, comme je vous dis d'habitude, n'arrosez pas avant plusieurs jours. Voilà, alors j'ai fini mon bouturage, mes bouturages. Donc celle-ci, je pense que c'est une Dudleya densiflora. J'en suis pas sûre. C'est une bouture qu'on m'a donnée. Celle-ci, je pense que c'est Portula caria. Et celle-ci, certainement, un sédum d'androïdum. Celle-là, je pense que c'est une Crassula multicava. Si je me trompe, vous pouvez toujours me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc voilà mes toutes nouvelles boutures que j'ai coupées à la tige, où j'ai mis un peu de cannelle, et surtout j'arrose pas de plusieurs jours et j'attends que ça fasse les racines. On va voir si ça fonctionne.